Odette, salut tout le monde! Premier épisode du Tour de la Gratte. Le principe, c'est de passer un week-end sans un sou. Le premier objectif pour nous, ça va être de trouver un toit pour ce soir, à bouffer et à s'occuper. C'est parti? On y va! Tu portes les sacs? Ah non, pas du tout. Ça s'appelle comment ces marches? Ça, c'est un escalier. Ah bon? Tu veux aller où là? Je vais bien aller sur le port. On fait du stop? Je sens qu'on va galérer, hein. Oh, ça commence très mal là. Oh, bravo, voilà. Daniel! Oh, merci, hein. Ils sont gentils les Marseillais. Daniel, tu peux avancer ton siège un peu ou pas? Non. Allez, oh bah dis donc, Daniel. Oh là, t'es taré, toi, t'es comme GMK, toi. Oh putain, Daniel, t'as pas peur que les filles qui t'arrêtent? Ah, c'est bon, j'ai plus le permis. T'as plus de permis? Bah moi t'as pas, hein. Ah, on va dire sur le parking. Eh, nique merde. Va te faire enculer. J'ai même pas d'âge. Oh, t'es trop sympa. Et... alors ça... oh putain. Eh ben merci, un gars, hein. Oh, t'es trop gentil. Et... qu'est-ce qu'il est gentil, il t'arrive. Eh ben il conduit, c'est un malade, hein. Ouais. Après, on aurait pu marcher, ça t'a pas servi de leçon la dernière fois avec GMK. Quelle heure il est, là? C'est l'heure de se boire un pastis ou pas encore? Ah non, trop en bas de car. Nous sommes partis sans argent et on voudrait savoir si quelqu'un veut nous faire dormir chez eux, quoi. Avec un accent comme ça, ça passera pas ici. Ah bah ça, c'est les ministres, tiens. Pst, tiens. Daniel, t'es déchaîné, là. Ouais. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous avez une chambre à nous prêter? Non. On peut faire une photo? Ah ouais. On cherche quelqu'un qui veut nous loger. T'as combien de chambres? Mais j'ai deux chambres. Oh. Ah non, ce serait trop. Oh, ça serait bien. Et donne-y ton numéro. Et t'as du café chez toi? Oui, j'ai du café. Ah, oh, c'est bien. Ah, oh, t'es trop gentil. Hein. Surtout, tu nous tues pas. Hein. Et t'as vu les gens, comment ils sont gentils? Oh, regarde le gros poisson, là. Oh, merde. C'est avec ce bateau que vous pêchez le poisson? Ouais. Ah, ah, ah. Bah, merci, hein. Regarde, Daniel. Oh, c'est des trottinettes qu'ils ont trouvées dans l'eau. Oh, quand même. Bonjour, vous avez des toilettes, j'ai envie de pisser. Oh merci, c'est trop gentil. Qu'est-ce qu'ils sont belles vos huîtres? Vous m'offrez une huître? Oh là là, j'adore les huîtres. Vous êtes vraiment sympa, hein? Mais à Marseille, tout le monde est sympa. Ah ouais. Mmh. Un délice. Hein. Et merci beaucoup, hein. Oh c'est sympa. Hein. Oh putain, les huîtres. Oh là là, c'est un délice. Oh dis donc, Loulou, faut qu'on ait mangé là. J'ai jamais mangé une huître aussi bonne que ça. Elle était pleine. Ça va? Allez, boy, la chicha. Je vais péter si je fais ça, moi. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que ça sent beau, la chicha? Là, on est en pleine interview. C'est Marseille, bébé. Comment tu vas? Eh bien, écoute, c'est la patate. On cherche des gens qui veulent nous héberger pour la nuit. C'est vrai, ça? Mais je te jure. Mais tu sais quoi? Je m'en occupe. Y a pas de problème. Et t'habites où? Dans un quartier. Et c'est pas de la drogue, hein? Non, mais c'est pas de la drogue, ça. Et je peux en goûter? Bien sûr, tiens. Et faut faire quoi? Faut tirer. Ça fait toujours ça au début. Dans deux minutes, t'as la voix de coffre, ma chérie, t'inquiète pas. Attends, je recommence. C'est bon. Elle dégage tellement une bonne humeur, cette dame-là. Là. C'est bien. C'est un chanteur, c'est un rappeur. Tu me connais pas? Ben non. Hey, je suis blessé. Sur la vie de ma mère, je suis blessé. Mais tu me dis quelque chose? Ouais. Mais je l'ai jamais vu. C'est pas ton style de musique, toi, t'écoutes les années 70. Mais non, j'écoute les années 90 aussi. Je suis le fameux bourrico qui a dit « Nique ta mère sur la canne de Berne, nique tes morts sur le Vieux-Port ». Et toi? Ouais, ouais, j'espère, quoi. Tu chantes à la télé? Ouais. Je sors mon prochain album le 3 février. J'ai un tourne-disque. Et Baptiste s'appelle Roman, dis-y bonjour. Roman, c'est demandé aussi gentiment. Pas de soucis, Roman, salut. Ah, tu connais Billy Oli? Non, Big Flo et Oli. Big Flo et Oli. C'est nos copains. Big Flo et Oli. Je les connais. Tu fais là, ouais. Pourquoi tu chantes pas de chansons de moi? Ah ben dans une musique, je vais faire une dédicace. Ah, je serais contente. Ah, lui, il est bien Jules. Mais tout le monde aime bien Jules. Ah, moi, j'aime pas Jules. Comment t'aimes pas Jules? Ah non, il est toujours en claquette, hey, et en short. En vrai, c'est du Jules, là. Tu vois que tu aimes Jules. Mais t'es bien autour de mon cou. Bien sûr. Voilà. C'est désordre, là. C'est magnifique. Mais je te jure, ce qui se passe, c'est trop beau. C'est ça, Marseille. Bah, j'adore les Marseillais, tu peux pas savoir. Mon père était de Caire au Havre. Je suis né au Havre, je bois du jus de tomate. Ils habitaient à Cocrioville. Après, j'étais gardienne. Je me suis mariée au Havre. Réception sur réception. Et j'étais dans l'Orne. Après, j'ai fait les ménages. Des droits comme ça, tu vas pas à gauche. Hein. Après, j'étais à l'usine Chauvet. Pommes de terre, poulet. Et c'est là que je l'ai rencontré, Arthur. Parce que j'ai eu la maladie du foie gras. Ok. Alors, Doricard, s'il vous plaît. Bien tassé.
Et moi, je suis naturel, hein. J'en ai rien à foutre, toi. Ouais, mais j'ai compris. Bah. Oh, non, moi, je suis pas comme ça, hein. Et ouais, on... non, ouais, t'en bats les couilles, quoi. Bah, tiens. On peut fumer une clope, là. Non, mais quand tu viens à Paris, t'appelles Arthur et on se met de bouffe. Tchat-tchat, hein. Bah, il est très gentil, hein. Il y a un mec qui nous propose de visiter sa fromagerie. Je vais acheter du fromage, et... Non, t'as pas d'argent. Pas grave, je vais les gratter. Non, mais regarde le look qu'ils ont à Marseille. C'est des poubelles. Ouais, bah, on n'a pas ça, nous. Y a pas le Ricard qui monte à la tête, là. Nous sommes dans un quartier assez chaud. Et on est dans le 7e à Marseille. Trop bien, bienvenue à Marseille. J'ai bu du Ricard, ça sent. C'est ce que je... J'ai pas osé te dire que t'avais fait l'apéro. Ça fait 6 mois, je vais m'en picoler. J'ai bu un Ricard, je vais m'en pété. Ce week-end, on n'a pas l'argent. Tiens, ta gueule, je vais parler, moi. Alors, le concept, c'est qu'on n'a pas un rond, on sait pas où coucher, on sait pas où manger, et on vient te demander du fromage. Ah ouais, trop bien. Tu nous donnes que ça. Ce qui est incroyable, quand même, c'est que cette vidéo, on l'a fait avec les produits laitiers. Et du coup, on se retrouve dans une fromagerie. Les gens vont croire que c'est fait exprès, alors que pas du tout. Daniel, on a quoi, là? 7 petits fromages de chèvre. On va les échanger pour un logement. Je veux juste en prendre une photo. Ouais, allez-y, ah ouais, y a pas de problème, la prends, si t'as pris les billets ou t'as pas pris les billets, Loulou? Les places du match, j'ai un plan. Hein? Mais on peut pas les acheter. Oh putain, on ira pas. Daniel, fais-moi confiance. On va se faire un restaurant, on va voir s'ils vont nous inviter. Bonsoir. Bonsoir. L'objectif, c'est de trouver des endroits où on peut manger. Ah, attends, deux petites secondes. Ah ouais. D'accord. Bonjour, ça va? Je regarde vos vidéos. Oh, c'est gentil. On peut proposer de faire la vaisselle après. Et comme il vous connaît, il a dit que c'était bon. Oh, c'est gentil. Alors, oh, merci au patron, hein. Oh là là. On passe pour les plus gros rats. Le tour de la gratte continue, par contre, on sait pas où dormir, hein. Mais ça, on verra après le dessert. Hein. On se met la panse et après, on verra. Le patron du restaurant, il s'appelle comment? Cyril. Bonjour Cyril, c'est Daniel. On a pris le menu le plus cher. On va te dévaliser. Je t'aime. Oh, dis donc, c'est bien. Est-ce que vous voulez boire quelque chose quand même? Ah oui, un petit verre de rosé, moi. La bouillabaisse, oh, ça va être bon ça. Et Loulou, si je prends la bouillabaisse, c'est pas la peine que je prends de la soupe de poisson. Ah, puis c'est un restaurant de style, ça. Je suis sûr qu'on pourrait faire toute une vie comme ça. Mais j'aurais voulu manger autre chose que le menu, non? Est-ce que c'est bon les huîtres et moules gratinées au champagne? Ah ouais, j'adore. Je prends ça. C'est fou parce que tous les gens qu'on a croisés, trop sympa. Ah ouais. Moi, j'aime bien les gens authentiques. Bon. Oh là là. Oh, quel régal. Oh. Si je parle pas, c'est que je kiffe. Bonjour, là. Et voilà. Il devait arriver, arriva. Bon, belle affaire ce restaurant, hein. Qu'est-ce qu'on fait? On va en boîte? Mais Loulou, on savait pas où on va dormir ce soir. C'est vrai, ça. Putain, faut qu'on recontacte la fille, là. Au revoir, hein. Fais la bise, hein. Ah ouais. Allez. Oh, la bouillabaisse, super bonne. Ouais. Hein. Qu'est-ce qu'on fait, Daniel? Ah bah, moi, je marche plus, je peux plus marcher, j'ai mal au cul. Ah, elle est trop chaude. Elle nous envoie le lit qu'elle t'a préparé. Oh, elle est trop gentille, ouais. T'as du stop, hein. Bonjour, ça va? Tu pourras pas nous dépanner, on va pas loin. On va où? Merci, poteau, hein. Vive l'OM, hein. Merde. Bonjour. Tu peux nous dépanner? Je suis un chauffeur VTC. Oh merde! Faut payer, on a pas de sous! Ah bah viens, on y va! Mais non! S'il a dit oui, monsieur! Mais t'es sûr, ça t'aurait pas? Venez! Oh, c'est trop gentil! Venez. Je vais te donner de la raclette, si tu veux, pour ta femme. Et puis un petit fromage de chèvre. Tiens, voilà, tu me penseras à nous quand tu mangeras ta raclette. Oh, mais vous êtes vraiment sympa à Marseille, merde! Au revoir, hein, merci! Regarde la date de la garde! Oh, dis donc, je vais me casser la gueule, moi! Tu veux que je porte la cagette ou pas? Ah ouais! J'espère qu'on va pas dans un guet-apens. C'est un coup de couteau, ça fait mal. Je pense que c'est un piège? Je sais pas. Mais non, lui, il est mal garé, hein. Oh, qu'est-ce qu'il est con. Oh là. Oh, mais merci pour ton accueil, hein. Vraiment, c'est vraiment gentil. Tiens, c'est des petits fromages tout frais. T'es bien, là. On va pas l'emmerder, ta maman. Non, pas du tout. Et après, vous voulez du champagne ou pas? Oh, ouais, un coup de champagne, c'est frais. On a du limoncello aussi. Alors, le limoncello... Avec les citrons de mon jardin. C'est pas la peine, parce que j'ai pris une biture avec. À la montagne, j'ai dégueulé. Ah, bah, je couche là. Là, c'est un lit, une place. Ah, bah, vous allez m'entendre, hein. Toi, tu couches où? Tu peux coucher là? Ouais, ils sont les escaliers. Mais si j'ai envie de pisser la nuit. On est bien, non? Oh ouais, mais faut que j'ouvre la tête, moi, pour dormir. Hein? Ah oui, sinon je peux pas dormir. C'est très bien. Oh, je me suis taché, je suis dégueulasse. On est bien dehors, là. Merci, on va aller bien fraîche. Là, 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 là. Daniel, tu veux un coup, va? Bah forcément que oui. Merci, chou. À la vôtre, les filles. Hein. Et merci beaucoup. Hein. On sait pas ce qui nous arrivera demain. C'est exactement comme sur les vidéos, là, j'ai l'impression d'être dans YouTube. On sait quoi, on va faire un jeu pour savoir qui prend le meilleur lit. Le jeu, c'est très simple. J'ai pâte molle ou pâte dure? Bah, je suis normal, j'ai bien le fromage. Daniel, le Munster. Pâte dure, non? Pâte molle, perdu. Oh putain. Le Bria Savarin. Pâte dure. Pâte dure? Oh putain. Le Coulommiers. Pâte molle, pâte dure. Le cou... Oh bah, pâte dure. Daniel. Oh merde. Pâte molle. Oui. On va comme d'hab, Daniel. Tu prends le meilleur lit, je vais dormir par terre. Je te ferme les volets ou pas? Attends, je préfère voir le jour, la nuit. Hein?
Avez-vous la pelle par un clamant? Regarde, c'est qui t'a mis la main? Tu veux pas que je ferme les volets? Non, non, merci. Parce que moi, la nuit, j'ai envie de pisser. Hein. C'est quoi le rapport? Tu veux pas pisser par la fenêtre? Ah, tu veux que je laisse les volets ouverts pour que tu pisses par la fenêtre? Non. Le lit de Daniel. Mon lit à moi. Tu dors avec un caleçon, toi? Normalement, un homme, ça dort avec un pyjama. Non, c'est mon caleçon de dodo, de pyjama. Daniel, tu veux pas fermer cette putain de fenêtre? Il fait froid, là. Non, je suis désolé. Moi, je suis claustrophobe, mais il faut de la... J'ai de l'air. Ok. T'as bien dormi, Daniel, ou pas? Ouais. Oh, ça va. C'est moi, Timmy. Oula. Ah, dis-donc, bébé. Je prends des citrons. Oh, ça, c'est du citron. Oh, putain, je vais faire des zestes. Oh là là, je vais les garder. Oh, il y en a un gros là-haut, loulou. Tiens. Oh ouais. Bon, Daniel, retour à la vie de nomade. Regarde ce qu'on a reçu ce matin pour le match ce soir. 3 places. En VIP, on va pouvoir bouffer gratos. Allons nous mettre au chaud, faisons le point. Oh, on fait du stop. Ah, c'est gentil, merci. Ah, moi, j'adore votre accent. Salut, t'as. Allez, ciao, ciao. Bon, l'hôtel, il est là. Tu crois que ils vont nous accepter? On rentre, on leur explique le concept de la vidéo. Bonjour, ça va? Ça va, et vous? Ah, oh, ouais, ça, la patate. Désolé, on est complet. Vous êtes non. Oh, j'ai faim, moi. Et puis, on peut sauter un repas. Hein. Ah, non, mais moi, j'ai faim. C'est... Bah, ça rentre balourd. Mais c'est les joueurs de Monaco. Bonjour les joueurs de Monaco. Pourquoi on va pas leur parler? Je vais leur demander si je peux prendre une photo pour mon gendre. Dans 3 quarts d'heure, on est bon. Oh, c'est trop gentil. T'es trop sympa, toi. Ils boivent, les footballeurs? Ah non, loulou. Là, ce soir, moi, je couche dans l'hôtel. Tant pis, je paye ma chambre, moi. On n'a pas le droit, Daniel. Si, si. Il faut pas craquer, Daniel. T'as tenu 24 heures. Est-ce qu'il vous reste des chambres pour ce soir, par hasard? Ah non, plus rien, monsieur. Je suis désolé. Oh. Dire qu'ils savent pas encore qu'on n'a pas l'argent. Daniel, on fait ta technique. On mange et à la fin, on leur annonce. D'accord. Tu veux faire quoi? Oh, pipi. Viens, elle est bien. Genre, c'est la déco. Je pense qu'elle va penser que c'est comme ça, le plat. Oh, putain, tout ça. T'as vu comme c'est présenté? C'est marrant. Pas de con. La chambre, en plus le petit déjeuner, ça vous reviendra à 565,48 €. Vous m'avez dit quoi, pardon? J'ai dit 565,48 €, toutes taxes comprises. Après, je vais rajouter la deuxième chambre. Allô? Allô? Oui? Oui, allô. On avait un budget de zéro, donc... Merci quand même. Bon, je mets une story. Tant pis. Bonjour aux hôteliers. Je voudrais vous demander 2 chambres gratos parce que nous sommes partis de Paris sans un sou et on n'a pas le droit de dépenser 1 € parce qu'on fait une vidéo. Je vous en supplie parce que je suis tellement fatigué. On a dormi chez l'habitante. Elle était très gentille, mais je préfère un lit d'hôtel. Daniel, hein? On fait quoi? On va pas partir comme ça? Bah, vous vous démerdez, les gars, hein, parce que moi je paye pas. Hein. Débrouillez-vous avec eux. Hein. Ah, et c'est vraiment barré là? J'ose pas partir, mec. Et vas-y, je vais payer, tant pis. On voudrait faire une photo avec un joueur de Monaco. Oh, je suis trop contente. On se fait la bise. Ah ouais. Super, merci beaucoup. Oh, merci, c'est trop gentil. Et ce soir, on va voir le web et Monaco. Oh là là, je suis trop contente. Oh, dis donc, j'ai embrassé un joueur de foot, le meilleur de la Coupe du Monde. Mais il a pas joué la Coupe du Monde. Bon, c'est pas grave. Ah, oh, je suis contente. Loulou, la photo, mets-la partout. Elle est où? Au petit port. Au vieux port. Au vieux port. Oh, oh, t'es merci, gentil, merci. Au petit port. Oh là là. Eh, il est gentil, ton mari, il nous a pris. Hein. Tu en colles, hein, c'est pas grave. Hein. Non, y'a pas de soucis. J'ai le sein sur son bras. Et merci, hein, c'est vraiment sympa. Ouais. Oh, ils sont trop gentils, les gens. Hein. Vous avez pas de chambre du tout. Mais qu'est-ce qui vient dormir ici? Oh, qu'est-ce qui caille? Qui veut nous loger ce soir chez ce... Excusez-moi, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez prendre la grand-mère juste à côté de vous pour monter la petite? Merci, c'est adorable. Oh, merci, parce que ça fait trop haut pour moi. Cette ville est dingue, mec. Les gens sont trop gentils. Et vive l'OM, hein. Merci. Oh, putain. Ah. Vous pouvez me porter, là, les gars? Ouais, prends-moi la photo, s'il te plaît. Et voilà, les 2 gars qui te portent. Voilà. Merci beaucoup. Et salut, hein. Les gens qui nous invitent au stade, ils nous ont trouvé une chambre d'hôtel. Ah, une chambre d'hôtel? C'est vrai? Ouais. T'as qu'une chambre pour toi? Non, mais elle sera pour toi pour l'instant. Oh, putain. Il y en a plus qu'une à trouver. Merde. Oh là là, la terrasse. Dis donc, oh, le lit. Oh. Mais moi, je veux personne qui couche avec moi. Hein. Alors, vous allez pas me refaire chier cette nuit, hein? Ah, moi, je suis la plus vieille, je prends le lit. Quand même, loulou, un peu de respect. Un peu de respect. Il faut que tu fasses un petit effort, toi aussi. Hein. T'es bien. On fait Pierre Feuille Ciseaux pour savoir qui dort là? Pierre Paul Ciseaux. Pierre quoi?
C'est quoi? Pierre-Paul Jacques, pas Pierre. Pierre-Paul Jacques. Jacques, double Jacques. En vrai, ça passe, hein. On peut coucher à trois, là. Dans le lit à trois? Bah ouais. Si, on se tourne comme ça, tournez-vous. Mais... Et là, on va où? On va au stade, là. Je sens, le loup, que je vais attraper un coup de poing dans la gueule. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. On les va pour de lapin. S'il y en a un qui casse la gueule ouvre un flic, je leur pète la gueule. Bonjour. Hop là. Je viens avec... On prend l'attente prochain. Non, je monte. Oh. On va arriver, elle sera déjà avec une coupe de champagne à la main. Assise. En train de manger. Bonsoir. Bonsoir, madame. Qu'est-ce que vous faites? Je vais prendre un coup de champagne. Et le manger, il est où? Parce que j'ai... Le manger. J'ai faim. Ça va? Oh ouais, ouais. Ils arrivent à quelle heure, les footballeurs? Ouais, 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 ouais. Merde. Allez! À l'envers, à l'envers. Oh merde. Aïe, aïe, aïe. Bah quoi? C'est fini. Oh merde, qu'est-ce qu'a gagné? Bah un partout. Tu t'es endormi? Ah non. J'ai envie de le garder. Oh bon Dieu, hein. Moi je te jure, je fais un régime la semaine prochaine. Hein. Mais demain je bouffe pas. Il y a du saucisson là-bas, monsieur. Alors c'est fini. Demain un coup de bière, le loup, ça va te faire digérer. Mais tu bouffes encore? Mais tu m'as dit que t'allais trop manger? C'est fini. Un peu plus. À ce plaisir. Vous voulez boire une verre? Oui. Ah oui, mon chéri, y a pas de problème. Et voilà, moi j'ai pris un sol. Ah, tu l'as piqué? Ah oui. Ils t'ont rien dit? Non, toi t'es beau. Si tu viens à Paris, viens prendre l'apéro. Oh, merci, c'est super gentil. Merci, Kevin. Ça, je vais le garder pour la vie. Vous n'allez pas vers la canne-bière par hasard? Oh, merci, hein. C'est vraiment gentil, hein. Et merci beaucoup, hein. J'aimerais juste que tu me présentes tes excuses en avance pour la nuit. Lelou, je m'excuse en avance pour la nuit parce que je sais que je vais ronfler. C'est pas grave. Mais tu sais que ça va nous servir pour cette nuit, hein. C'est pour ça que je l'ai pris, Lelou. T'as un grand cœur. C'est froid, t'as mis la clim, Dani? Non, oh, j'aime bien. Je suis très bien. Et ben moi, je suis très mal. C'est pas grave. Elle est égoïste, c'est un truc de ouf. Je suis égoïste. Hein? Ah non, mais je parlais pas de toi. Tu te fais pas chier, toi. Pourquoi tu prends pas de coca? Mais c'est le tour de la gratte, je gratte. 7h50 en bas. Et... Oh non, t'as dit 8h30 Parce qu'il y a un mec, il nous a envoyé, quand on a mis la story, venez survoler les Calanques au départ d'Aix-en-Provence en avion. Je vous embarque avec grand plaisir, je suis instructeur. Sur 100 vols, j'ai fait que 5 crashs. Qu'il est con. Oh putain, qu'est-ce qu'elle fait là? Oh putain. Qu'est-ce qu'il est con. Mais ça pue pas! Oh, j'ai pas de chèque-cheveux en plus! Je te dis qu'il y en a pas! Il y en a pas, regarde! Ah oui, il y en a un. Il est quelle heure là? Minuit et demi. Alors là, je te jure, je pourrais pas me réveiller demain. Bon, dis tout le monde. Tu as bien dormi? Vous avez mal dormi? On en parlera hors caméra. Bonjour pilote, ça va? Ça va la patate? T'as pas peur? Ah, pas du tout! C'est pas grave, je... Le tour de la gratte part en cacahuète. Incroyable. Ah, il a calé. Là, tu te tues, hein. Ouais. T'es décapité. Ouais, si elle tourne, oui, en effet, t'es décapité. Oh putain. Là, Ah, il y a une fuite. Ouais, c'est de l'eau qui coule. T'es sûr que c'est de l'eau, ça? Et on monte comment? Et voilà. Ah là. Ouais. Ah d'accord. Merde. Voilà. Et voilà. Hop là. Ok, parfait, Daniel. Tu nous entends? Ah ouais. On a insisté pour capturer Yed. Pourquoi tu conduis pas ton avion? Si, je peux conduire avec les pieds, regarde. Ah ouais, Daniel, touche surtout pas aux manettes, hein. Je répète, Daniel, ne touche surtout pas aux manettes, n'appuie sur aucun bouton. Oh là 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 là. Mais Loulou, arrête. Oh putain de merde. Tu prends les commandes, Daniel? Ah ouais, des mains sur le manche. Et tu vas faire, tu vas suivre ce que je vais te dire. Tu vas incliner l'avion légèrement à gauche. Voilà, super. Parfait. Son volant contrôle vraiment ce qui se passe là? Ouais, bien sûr, bien sûr. T'as peur, Loulou? Ouais, c'est pas de mauvaise blague, Daniel, s'il te plaît, je suis pas bien là. Arrête, Daniel. On vole pas en haut quand même, hein. Bonjour, Nana de la garde. Il est gauche, conduit, hein, en vrai. Putain, merci, Jean, c'est incroyable. Oh là là, ça tourne sec là. Daniel est vraiment en train de tourner l'avion là. Si on veut descendre, on appuie. Non, Daniel, arrête, s'il te plaît. Daniel, stop. Putain, je déteste.
Ouais. Oh là là, putain, je suis pas bien. Donc je te récupère les commandes manuelles, qu'il y a un appareil devant vous. Un gros avion? Ouais. Y'a pas de danger? Ah oui, là, un gros avion. J'arrête les commandes, y'a un gros avion. Ah ouais, ouais, lâche les commandes, ouais. Je peux tourner. Je peux récupérer les commandes pour l'atterrissage. Oh merde. Non, Daniel, arrête, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il a peur? Il est là, la piste. Oh, bah, j'aurais pu tourner à droite, hein. Daniel? Attends, faut pas déconcentrer le pilote. Ah. Ah ouais. Ça va, Chabert? Ouais, ouais, ça va, ça va. J'ai pu parler à Daniel pendant 2 semaines, mais ça va. Regardez, je tourne. Et merci, la tour de Topon, là. Bravo. Et quand je reviendrai à Marseille, on refera. T'es un bon instructeur. Hein. Merci beaucoup. Tu sais, c'est mon deuxième rêve. Mon premier rêve, le c'était premier. Le parachute. Et le deuxième, c'était de conduire un avion. Et le troisième, recharger. Je te remercie du fond du cœur parce que vraiment, ça a été très bien. Alors, si vous voulez rencontrer les gens pour apprendre à piloter, skyexplorer.fr. Centre de stimulation. Non, de simulation. Ah, merde. Voilà, ça c'est un clap. Là, nous sommes à Aix-en-Provence et on cherche à faire du stop. Et Loulou, ouais. T'as vu comment t'as eu la chasse au cul quand j'ai fait ça? Moi, pas du tout. Non, non, Daniel, arrête, arrête, arrête. Non, Daniel, arrête. Moi, j'ai eu peur dans l'avion. Mais je te fais 10 pompes là, moi j'ai peur. J'ai fait ça pour que l'avion à tombe. Pourquoi elle? Ah, c'était une fille. Non, pour que l'avion à tombe, j'ai piqué. Oui, mais c'était une avionne, pour l'avionne. Je comprends pas. Il est tout mignon. On présente Napoléon. Bonjour. C'est Napoléon? Napoléon Bonaparte. Putain, énorme. Hein? T'étais venu comme ça, la blague, là? Oui. Ah ouais? Napoléon est mort à Sainte-Hélène, en train, tu sais, des arêtes de poisson. Ok. Qu'est-ce qu'il est con. Quoi? Rien. Ah, on trouve un moyen de rentrer à Marseille, et c'est la fin de ce tour de la gratte. Vous n'allez pas à Marseille? À Marseille? Ouais. Pourquoi donc? Parce qu'on doit aller à Marseille. Vous êtes célibataire? Vous allez pas à Marseille, vous, madame? Ah, pas du tout. Oh, merde. Mais si, vous allez à Marseille, non? Vous avez pas rendez-vous avec Robert? On est bien dimanche 15h, non? Moi, j'irais bien prendre un petit déjeuner, toi, non? Tu veux qu'on aille prendre un petit déjeuner? Oh, ouais. Bonjour. Alors, voilà. On a un truc délicat à vous annoncer. On voudrait déjeuner, mais on n'a pas de sous. On n'a pas le droit de dépenser 1€. Oh, vous êtes vraiment sympa, les gars. Daniel, tu veux quoi, un café? Un grand café, ouais. Et il y a du beurre salé, excusez-moi. Je vais aller chercher un cuisine. Oh, c'est trop gentil. Un bon chocolat, c'est très joli, hein, votre truc. Hein. La retraite, pourquoi la réforme se complique? Tiens, en Israël, il y a la guerre. Oh, merci, c'est trop gentil. Faut qu'on fasse notre panneau pour l'autostop. Si vous vous cachiez, ça se trouve, ça serait peut-être mieux. Oh, il y a une voiture qui s'arrêtait, là. Vous allez bien? C'est bon, on a notre sauveur. Oh, oh merci, hein. T'es trop sympa, hein. T'as une fiancée? Non. Oh, bah, t'as bien raison. T'as fait manger avec les gonzesses. Voilà. Nickel. Et merci beaucoup. Mmh. Encore beaucoup, 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 hein. Ciao. Tu fais quoi, Daniel? J'ai faim. Daniel, fin du tour de la gratte. Trop, trop bien. À refaire. Et merci à tout le monde de votre gentillesse, de votre bonté. Oh, j'aurais bien voulu que ça recommence encore une journée. Quelle ville dans le prochain épisode? Eh ben, on laisse les gens choisir. Vous nous le dites en commentaire et on ira. Moi, ce que j'ai particulièrement kiffé, c'est la nuit à l'hôtel avec Daniel. Entendre ses petits grognements. On est comme bercé par cette douce mélodie qui émane de sa bouche. J'arrive pas à me rendre compte de la chance que j'ai de pouvoir partager des nuits avec Daniel comme ça. Alors, évidemment, j'aimerais que parfois ça aille un peu plus loin. Peut-être qu'un jour ce sera le cas, mais j'essaye de me satisfaire de ce que j'ai. Voilà. Daniel, merci pour ce tour de la gratte. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et mettez un pouce bleu, s'il vous plaît. Bisous, ta chatte. Bon, pour que vous n'ayez pas besoin de faire du stop comme nous, avec les produits laitiers et l'Union Européenne, on vous fait gagner un vélo électrique d'une valeur de 2 000 €. Pour tenter ta chance, c'est ultra simple, il suffit de remplir le petit formulaire en lien dans la description. Les 10 000 premiers participants gagneront automatiquement le jeu de cartes auquel on a joué dans la vidéo, et donc peut-être le vélo électrique. Bonne chance!